Oui, amis de Pipot TV, nous sommes en guerre. Oui. Quoi, ingénieur? Je joue mal? Ah oui. Amis de Pipot TV. Oui, non mais je voulais revenir sur la fameuse phrase de Monsieur Macron. Nous sommes en guerre. Ben j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. J'avais pas compris. Ouais. Ça y est, j'ai compris. Hey, ça va pas. Hein. Ouais, c'est vrai, ingénieur. J'en faisais de trop là. Ah. Je jouais mal surtout. Oui, aussi, mais j'en faisais trop aussi. Enfin, c'était surtout ça, quoi. Ouais. Bon, voilà. Bon, alors. Premier indice. Hein, qui m'a mis la puce à l'oreille, et vous aussi, j'associe, hein, c'est l'épisode bah, des pâtes et du PQ. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur a pris par la tête? À peine la déclaration faite, les gens ont couru pour acheter des pâtes. Et du PQ. Alors, moi, c'est vrai que personnellement, du PQ m'en faut. Ah oui, ça, j'en... moi, quand je fais ma grosse commission, vraiment la grosse commission, je sais qu'aussitôt... Ouais. C'est un demi-rouleau par grosse commission, généralement. Ouais. Ah bah oui, moi aussi. Hein. Du coup, j'ai pris mon caddie. J'ai été en chercher. Hein. J'en ai pris des rouleaux. Hein. Bah, j'en avais besoin, ça c'est clair. Alors, oui, du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'on avait déjà vu l'épisode du Nutella. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, les gens se battaient pour des pots de Nutella, en temps de paix. Alors en temps de guerre, c'est sûr que... Alors c'est vrai que déjà je me suis dit, il a peut-être raison, c'est Macron. Alors après il y a aussi le personnel soignant, hein, qui est sommé de déménager, oui, dans les immeubles ou dans les appartements assez proches, et les gens reçoivent des lettres sur leur porte ou sur leur voiture, dans leur boîte à lettres, et ils veulent qu'ils déménagent. Oui, non, non, ça y est, vous allez contaminer toute notre famille. Si vous pouviez partir, ça nous arrangerait. Voilà. Alors, c'est vrai que ça rappelle quand même une sale époque. Hein. On va pas se cacher. Hein. On n'est pas loin d'en ressortir les toiles et puis les trains et tout. Hein. Les gens n'ont pas compris. Quoi. On a vécu une sale période, mais on est prêt, à mon avis. Ça c'est sûr que... Oui. Là, il a raison quand même, Macron. Hein. On serait bien en temps de guerre, là. Oui, c'est clair. Alors après, il y a aussi les Facebook qui ont été créés pour dénoncer ceux qui feraient pas bien le confinement. Dénonce ton voisin. Et même la police, hein, elle a dit dans un article qu'elle est submergée de coups de fil de gens qui appellent pour dire « Oui, attention, mon voisin, il est déjà sorti, il a fait les courses hier, il a refait les courses aujourd'hui. Et il va même promener son chien encore. Non, non, non. Venez voir, venez lui mettre une... » Mais la police, elle a dit... C'est pas de la délation. Ah non, 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 non. Elle a dit, c'est de la dénonciation à intérêt sanitaire. Ouais. C'est pas de la délation. Non, non, non. C'est... Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, oui, c'est vrai que... Ouais, ça rappelle un peu... période de guerre. Ouais. Les gens qui dénoncent les autres. Ouais. Oui, oui, on avait vu ça à une époque déjà. Ouais, ouais, et puis maintenant, il y a l'histoire des masques. Ah, ouais, là, c'est beau. Là. Les Américains, ils nous ont piqué nos masques, étaient en Chine, payés 3 fois plus cher. Et hop, ah bah, c'est chacun pour soi. Hein. Marc Henry, les Français, avaient aussi bloqué des masques qui étaient destinés à l'Italie et à l'Espagne. Ouais, non, non. Du coup, ils leur ont donné que la moitié. Les Allemands aussi, maintenant, ils se plaignent. Les Américains, ils nous ont piqué des masques aussi. Ouais, c'est chacun pour soi, quoi. Ouais. Ouais, bah, je crois qu'il avait raison, en fait, hein, monsieur Macron. Nous sommes en guerre. Ouais. Allez. Bon, on va arrêter. On termine.